La licence professionnelle finance banque assurance de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Et Melloul. C'est une licence qui s'étale sur une année, il faut dire S5 et S6. L'objectif principal d'étudier dans cette formation prestigieuse, c'est de pouvoir former des futurs cadres de haut niveau qui sont qualifiés, mais en domaine de l'assurance, de la finance et de la banque. Ça veut dire que l'étudiant, quand il sort de cette formation, il sort avec des qualifications, des compétences techniques, d'expertise pointue en la matière, et aussi des compétences qui sont comportementales, qui sont relationnelles, nécessaires pour traiter avec le client dans le domaine du service. Par rapport au débouché de la formation, donc la formation généralement donne naissance à des experts, si vous voulez, mais suite à des pratiques sur le terrain, des experts qui sont bien sûr qualifiés dans un domaine là où l'expertise devient de plus en plus rare, dans un domaine qui nécessite des compétences pointues, comme par exemple les consolidateurs comptables, financiers, par exemple des auditeurs, si vous voulez, aussi d'autres profils qui sont très très recherchés dans le domaine, mais les employeurs trouvent la difficulté de trouver ces profils facilement. Alors, bien sûr, les étudiants qui vont avoir leur licence, ils vont travailler dans le domaine de la finance, de la banque, l'assurance. Ils vont, bien sûr, exécuter des opérations financières complexes. Et ils peuvent réaliser bien sûr des opérations et des tâches ainsi que des fonctions en relation avec le service bancaire, le service financier, traiter avec la clientèle, aussi faire de l'expertise comptable et d'autres métiers qui sont très demandés sur le marché d'emploi. L'essentiel dans tout ça, c'est que nous, en tant que responsables de la filière, on cherche à développer un profil beaucoup plus polyvalent, un profil qui combine expertise et aspect comportemental, savoir-vivre, savoir-être, et aussi savoir relationnel, si vous voulez, qui sont importants pour pouvoir décrocher facilement un poste. Alors, quand on parle les modalités d'évaluation durant cette formation, il s'agit tout simplement de parler de tout ce qui est évaluation écrite, évaluation orale. Alors, l'évaluation écrite, c'est tout ça, c'est sous forme des contrôles continus. L'évaluation orale, c'est des exposés, c'est des interventions, c'est l'implication de l'étudiant dans des actions sociales, dans l'organisation des événements. C'est du learning by doing. Tout ce que fait l'étudiant pour prouver sa personnalité et pour trouver sa place dans du learning, dans les actions qu'on réalise au sein de la formation et au sein de la filière. Alors, il y a aussi le rapport de stage, il y a d'autres, par exemple les travaux rendus, les études de cas, les rapports élaborés par les étudiants pour des modules qui nécessitent en fait de réaliser des études empiriques et d'autres. La filière commence à partir de la troisième année. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tronc commun d'abord, première S1, S2, S3, S4, et par la suite, il passe vers la troisième année S5, S6. Les conditions d'accès à la filière sont claires. L'étude dossier, avoir d'abord un diplôme requis, qui est Bac+2, que ce soit pour le DEUG, le DEP ou bien BTS ou bien DUT ou d'autres diplômes qui sont équivalents. Il faut aussi avoir des prérequis pédagogiques spécifiques, qui sont en relation avec le domaine de spécialité.
Et il faut pour autant, bien sûr, réaliser des entretiens qui sont nécessaires pour évaluer les compétences communicationnelles chez l'étudiant. Donc, quand on parle en fait de la formation, il suffit de citer qu'il existe des modules qui sont d'expertise, des modules de connaissances pointues, comme le marché financier, comme la finance d'entreprise, comme les techniques bancaires, techniques d'assurance. On peut aussi, on donne aussi aux étudiants les notions de droit, droit d'assurance, droit bancaire, droit social et d'autres. En S6, il y a d'autres modules complémentaires, maths financières et économie et finance internationale, c'est quant à sectoriel. Et il y a le projet de fin d'études. Alors le déroulement de projet de fin d'études, ici dans notre formation, on présente 3 modules. Seulement l'étudiant est amené à réaliser 2 travaux, savoir un rapport de stage dans une société qui répond bien sûr aux critères du projet de fin d'études et un mémoire de recherche réalisé par l'étudiant en relation avec un thème de recherche de la même spécialité. D'accord ? Donc généralement, je pense que c'est suffisant. L'essentiel, c'est que quand on sélectionne un candidat, l'étudiant est amené à travailler énormément. Parce qu'il y a une formation beaucoup plus accentuée, basée sur les cours qui sont donnés théoriquement, mais aussi basée sur l'apprentissage sur le terrain, sans oublier aussi l'apprentissage par le doing. Ça veut dire qu'il y a l'implication de ce qu'on appelle une certaine pédagogie active appliquée par les professeurs de la filière afin de former des cadres qualifiés.